aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va être encore une fois trop cool, parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée de Axel. Voilà, Axel il va rentrer à l'école. Du coup dans la dernière vidéo je vous ai montré son école, mais du coup aujourd'hui c'est le fameux jour de la rentrée. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à mettre un max de likes, ça me ferait vraiment trop plaisir pour donner plein de force à Axel. Vu que c'est le jour de sa rentrée, voilà, il va avoir besoin de tout plein de courage. Donc aussi avant que la vidéo commence, je vais aller remercier les nouveaux sponsors de ma chaîne, parce que voilà, il n'y a eu aucun don sur mes lives. Mais par contre, il y a un nouveau sponsor qui est Jérôme Lafitte, du coup, qui a pris un BG+. Voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup à Jérôme Lafitte, du coup. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma boutique de vêtements. Elle est... C'est Axel qui joue avec la porte. Je vais entendre là. Du coup, voilà, il y a plusieurs t-shirts, il y a des sacs, il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à aller voir. Axel, c'est toi qui joues avec la porte? Oui. Mais tu joues avec quelle porte? Aucune. Ah, t'es là. Ah, coucou Axel. Bonjour. Ça va? Oh là là. Oui, ça va et toi? Ça va, du coup tu sais quel jour on est là? Ah. Attends, bah, tu rejoins là-haut, je vais voir qui c'est. Ah bah c'est encore Maxence, décidément, il vient tout le temps là-haut, hein, c'est ancien. Coucou Maxence. Coucou, c'est la rentrée d'Axel, on y va tous ensemble? Ah ouais, ça serait trop cool. Bah attends, viens, entre, parce que je sais pas comment il appréhende sa rentrée, va falloir lui parler. Je sais pas dans quel état il est. Il est là. Et il y a Maxence. J'arrive. Il est... Ah mais il est là. Il essaie de se cacher, il a foiré sa blague. Alors comment t'es pressé d'aller à l'école, Axel? Oui. T'es pas trop stressé quand même? Axel, oh, c'était dit que le jour, tiens. Hey, on se doit pas le directeur. Alors tu penses que ça va bien se passer? T'es content, tu vas pouvoir faire plein de copains? Oui. Ah, c'est trop cool. Ah, je suis contente. Bon, ça va, si t'as pas trop peur, c'est cool. Parce que, bon, de toute façon, Maxence, il va quand même être gentil avec toi. T'inquiète, il va pas te manger. Mais arrête de lui donner des cookies. Donne-moi les cookies. Tu vas pas à l'école avec les cookies. Oh. Allez, hop. Mais qu'est-ce que tu faisais avec 57 cookies? C'est n'importe quoi. Ça a pas de sens. Non, mais oh. Et bien sûr, quand tu vas à l'école, tu ne voles pas, tu fais pas ce genre de truc, hein, c'est tranquille. Oui. Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et en plus, j'ai acheté une nouvelle voiture, les amis. Vous allez voir, elle est trop stylée. Allez-y, mais... passez, il faut que je referme. Hop. Elle est trop stylée, regardez. C'est ma nouvelle voiture. Elle est pas trop belle. Je pense que je vais la recolorer en rose, mais elle est pas... Hé, descends de là, c'est pas toi qui conduis. Allez-y, installez-vous dans la Miska. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et encore une fois, ne jugez pas ma conduite. C'est moi qui ai devant. Ouais, Maxence, il a l'air libre, il aime bien prendre l'air. Alors, l'école, c'est là-bas. Ouais, c'est là. Hop. Alors, je vais me garer, si je me trompe pas, il y a un parking là-bas. Je crois qu'il y a un parking. Du coup, on va refaire le tour pour passer quand même par l'entrée. Hop. Hé, hey, je conduis pas trop mal, hein. Voilà, on est arrivé. Il y avait beaucoup de route, hein. Bon, du coup, let's go. On va aller à l'école. Bon, ça va le faire, tu penses, Maxence? Tu penses qu'il va bien s'intégrer? Oui, y a pas de souci. Tout est fait pour. Il y a quelqu'un là-bas. Attendez, on va passer par devant. Regarde, Axel, ça pourrait être un copain pour toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait sur son tricycle? Il fait quoi? Ah! Oula, bah, bonjour. T'es meurtrier, toi? Non. Ouais, bon, bah, on va... C'est pas censé être la rentrée, t'es censé aller à l'école, toi aussi, non? Bah oui. Oui, c'est Maxime, il est aussi inscrit dans l'établissement. Ah, d'accord. Hé, faut que tu lui parles. C'est pas mon tricycle. T'es sûr? Mais oui, il a l'air gentil. Bonjour. Bonjour. Je sais pas. Vas-y, va lui dire un truc. On verra après. Cool. Dis-lui un truc du genre, le rouge c'est trop cool, ton tricycle il a trop la classe et tout. Dis-lui un truc comme ça. Ok.
Tu t'appelles comment? Maxime, et toi? Je m'appelle Axel. Il est trop beau ton tricycle. Merci. Professionnel. Oh. Tu penses qu'ils vont devenir copains? J'espère, ça serait bien. Bon allez, du coup Axel, bah on va te montrer ta... Enfin, je pense qu'il va te montrer ta classe, Maxence. Bah on va... le monsieur avec son tricycle. Monsieur le professeur? Oui, suivez-moi. J'ai le droit de rentrer avec mon tricycle de l'école? Non. Non. C'est pas avec un tricycle dans l'école, hein. Oula, je sens que lui, il va te faire des ennuis, hein. Hop, du coup, la classe de... Oh là là, oh, je te fais pas trop honte, Axel, à venir ici, là? Non, juste à peine. Ouais, cool. Cool, cool, alors cool. Ici, ce sera la... c'est ici qu'est la classe d'Axel et c'est aussi celle de Maxime. Oh, c'est trop bien, vous êtes venus oh, trop cool et tout. Tiens, on se met là. Chut. Mets-toi là. Du coup, tu sais qui c'est que ça sera, son professeur? Oui, ce sera moi. T'entends ça, Axel? Ce sera non, ton professeur. Non, 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 non. Reviens là, reviens là. Tu non. Peux pas fuir. Et Axel, arrête ça. Tu devrais être content, c'est... tu le connais et tout, mais tu feras pas le soudoyer en cookie. T'es sûr? J'espère. Hein, Maxence, tu feras pas le soudoyer en cookie, hein, parce qu'il a plus d'un cookie dans sa poche. Hein. Essaye de me soudoyer et tu finiras ici, dans mon bureau. Ah oui, le bureau du directeur. Il l'a pas vu. Regarde, viens voir Axel, le bureau du directeur, sauf si tu veux pas rentrer dedans. Pourquoi il y a plein de caméras? Ça c'est une bonne question. Pour être sûr. C'est pour être sûr de tout ce que tu fais quand t'es dans mon bureau. Pour être sûr de tout. Hein. Mais du coup, hey, il faut que tu deviennes copain avec Maxime. Il faut que t'ailles lui parler là. Propose-lui au pire après l'école. Après. Vas-y, il entend. Attends, rentre dans le bureau. On doit parler d'un truc. propose-lui. Descends de là par contre. Oh. Propose-lui d'après l'école au pire de venir à la maison pour jouer je sais pas en bédoire ou quoi. Et puis hey, tu lui parles pas de tes super pouvoirs et tout hein. En bédoire, yes. Ok vas-y propose-lui. Maxime. Ouais. Ça te dirait d'après les cours de faire une partie de bédoire chez moi? Youpi, oui. Avec plaisir. Ah, oh, c'est bon. Oh, trop cool. Bon, bah je vais vous laisser pour votre première journée de cours et tu fais pas de bêtises. Et du coup, je viendrai qu'est-ce que tu... Ah, mais t'as soif, dis donc. Hein. Oui. Bon, et beaucoup. Du coup, je viendrai vous chercher tous les je te ramènerai aussi hein, Maxence, au pire si tu veux boire un café à la maison après. Voilà, je viendrai vous chercher dans ma voiture après. Du coup, bah voilà, je vous laisse. Et pas de bêtises, Axel hein. Et tu te souviens de quoi on a parlé hein? Tu dis rien ouais, à ouais. Personne. Bon allez, à tout à l'heure. Du coup, re les amis, il est 4h, il y a Axel et Maxime qui ont fini leur journée d'école. Du coup, je vais aller les chercher. Voilà, je suis revenue avec ma super voiture trop classe. Avouez ma voiture, franchement, elle a du style. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire. On va pouvoir faire des super balades avec et tout. Ça va être trop trop cool. Hop, du coup, je vais aller le chercher. Je pense qu'il a fini sa journée d'école. Enfin, normalement, oui, il doit être en train de m'attendre. J'espère vraiment que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que la journée d'école, du coup, de Maxime mais Axel s'est bien passé. Vraiment dans tous les cas je saurai s'ils ont fait des bêtises hein, parce que je sais que Maxence me le dira. Sauf s'il a été soudoyé en cookie. Bon du coup hop on va aller le chercher. Je pense qu'il doit être dans la salle de jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Bataille de cookies. Alors Mais comment vous faites pour avoir autant de cookies? Non mais sans déconner. Et comment tu fais pour avoir autant de cookies? C'est un de tes super pouvoirs. C'est un de tes super pouvoirs, tu sais faire mettre des cookies. Enfin, bien sûr, tu n'as pas de super pouvoir. Hein. Mais si tu en as. Dans mon sac peut-être... J'ai prévu une grosse réserve. T'es n'importe quoi. Bon, du coup, ça s'est passé comment cette journée d'école? Trop bien. Ah, bon, bah c'est trop cool alors. Ça va, ça a été pour toi aussi, Maxime? Génial. Bon, viens, on va parler à l'écart, Maxence. Ils ont fait des bêtises? Non, ils ont été sages. Ils ont pas... Mais... Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont... Qu'est-ce qu'ils... Ils ont... J'espère qu'ils m'ont rien cassé.
Ils ont pas essayé de te soudoyer en cookie ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça marchera pas de toute façon. Ok, c'est cool. Ok, bah ça te dit de venir boire un café à la maison en même temps que Axel et Maxime jouent? Tiens. Avec plaisir. Bon bah c'est parti. Bon, c'était quoi ce bruit là d'explosion là? De quoi? C'est lui. C'est quelqu'un qui a pété? T'as pété? Non, j'ai rien fait. Il y a trop peur de se faire disputer. Bon, du coup, venez, on va aller à la maison. Voilà, du coup, pour vous puissiez jouer. Il y a Maxime qui va venir, on va boire un café. Hop. Du coup, bah, je suis toujours garée derrière. Bon, bah, arrêtez avec les cookies là. Vous allez faire du trafic de cookies. Du coup, c'est trop cool si ça s'est bien passé pour vous. Vraiment, je suis trop contente. Surtout que voilà, Axel, il s'est fait un copain. Regardez, voilà, ils ont l'air d'être trop bien s'entendre en plus. Du coup, ça va être trop cool. Donc voilà, du coup, vous entendez bien Axel et Maxime? Ça va? Vous passez un bon moment? Oui. Et Maxime, par contre, descend. Axel, descend. Aïe hop. Axel, arrête ça. Axel, t'es trop jeune pour conduire. Arrête ça. Allez, montez. Venteur. On retourne à la maison. On n'a rien vu. Arrêtez de mettre des coquilles partout. Infernal. Mais c'est trop bon les cookies. On a trop de cookies, j'adore. Faut ça. S'en débarrasser. Tous nos cookies, on en fait quoi? Mais vous allez devenir gros à force de manger plein de cookies hein. Non. Ouais, si hein. C'est faux. Donc voilà, c'est ici la maison. Maxime, descends là. Du coup, voilà, c'est ici la maison où on habite avec Axel. Hop, merci. Hop. Voilà, ici il y a un petit jardin. Et puis, même que Maxime, je sais pas si chez toi t'as une piscine, mais l'été, si vous voulez venir, enfin, si tu veux venir l'été, et bah ici il y a une piscine, il y a même un plongeoir et tout. Bon, je vais pas sauter dans l'eau. Oh, trop bien! Oh, je suis tombée dans l'eau. Mais voilà, du coup, vous pourrez vous baigner et tout. Voilà. Vous pouvez même... Ah! Il m'a poussé! Elle est froide! Bah oui, il fait pas très chaud aujourd'hui, donc forcément. On a même un barbecue si vous voulez faire des barbecues et tout. Oh, trop bien! Et il y a même Cookie et Caramel, du coup, c'est notre hamster et notre. Tu les as pas montrés en vidéo hier? Et notre lapin. Non, je les ai pas montrés, mais en même temps, à chaque fois, c'est la journée et ils dorment. Sauf si, je vais mettre Caramel dans une boule. Hop. Attends, maman, je vais poser mon sac. Voilà, regardez. Maman. Ouh, il s'amuse. Oui. Je vais poser mon sac. Ah, vas-y, va poser ton sac. Mais regardez. Bah, il se rendort quand même dans sa boule. Super. Bon, ils passent leur journée à dormir. Bon, c'est pas grave. Bon, allez-y, entrez, je vais te faire visiter la maison. Bon, du coup, je vais quand même te faire visiter un peu la maison, Maxime. Du coup, ici, voilà, il y a des toilettes. Bon, c'est tout ce qu'il y a de. Voilà, c'est des toilettes, quoi. Standard. Ah. Ici il y a la cuisine. Bon, il y a des cookies en plus ici. Il y a des cookies dans une assiette. Oh, des cookies. Des cookies. Cookies. Yes. Il y a toujours des cookies à la maison. Voilà, ici c'est le salon. Ici il y a une petite salle. Tiens, voilà, ça, c'est pour des faire cookies. Sport. Hop. Tu dis pas. Du coup voilà, c'est vraiment simple. Du coup après il y a un étage. Hop. Du coup, bon, je vais pas te montrer le sous-sol parce que. Enfin, je veux pas trop te montrer le sous-sol, je pense qu'il n'y a pas grande utilité. Bon, ici c'est ma chambre. Voilà, j'ai une salle de bain. Okay. Et puis, du coup, la chambre d'Axel, elle est ici. C'est tout. Ah, il y a Cookie. Oh, elle est trop belle. Bah ouais, il a même une Switch. Oh. Pour jouer en bedwar à Minecraft. J'ai peur l'horloge un peu, non? Ouais, un peu, hein. Mais il l'aime bien, Axel, donc. donc ça va. Il y a de gros yeux. C'est un détail. Bon, du coup, je vais vous laisser jouer. Bah, je repasserai vous voir tout à l'heure. Je vais aller prendre un café avec Maxence. Et puis, voilà. Bon, bah, amusez-vous bien. Bon, et du coup, c'est trop cool. Tu connais un peu Maxime ou pas? Pour savoir si c'est pas quelqu'un qui fait trop de bêtises. Ou... Je le connaissais pas avant la rentrée. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais nous servir un café. Je dois voir ce qu'il faut. Je dois voir ce qu'il faut. Quoi? Hop. Tiens, voilà, des cafés. Hop. Bon, je peux en poser qu'un, dans tous les cas, moi je prends la main. Bon, bah, en tout cas, c'est super cool que ça se soit bien passé et tout. Bon, bah, je suis trop contente en tout cas. Et puis voilà. Et puis toi, du coup, ça va dans la vie, tout ça Toujours oui, ça va. Violette Ouais, petit, elle est sympa, ma petite maison, elle avance. Voilà, t'as fait des nouvelles rencontres dans la ville
Oh, rien d'incroyable. Ah, d'accord. Okay. C'est bizarre, j'entends des bruits. Ils sont encore dans la chambre ou... Youhou! Attends, je sais pas. Ici, ils sont encore dans la chambre. Attends, ça m'intrigue. T'as fait. Et vous faites quoi là? Pourquoi je vous entends chuchoter? Bah, ils sont où? Oh, imagine que Axel il a dit à Maxime qu'il a des super pouvoirs. Oh là là. Du coup, la cata, vraiment la cata. Je te parie combien qu'ils sont dans la cave. C'est sûr, ils sont dans la cave. Bon. J'en connais un qui va bien faire engueuler. Ah bah là, oui. Hein. Axel, bon, non, il est pas dans la salle des abonnés. Axel, oh bah s'il est pas là. À moins qu'il soit sorti sans me demander, mais ça, ça je le rouspéterai. Axel, me dis pas que t'es là, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Il est où Axel? Je sais pas. Axel, il a disparu d'un coup. Axel, oh, ça veut dire que t'es au courant. C'est un super héros. Bah oui oui, c'est super Axel. Oh, trop bien. Axel, bon, je sais que tu t'es mis invisible. Arrête ça, c'est bon. Je vais te fâcher dans tous les cas. Dans tous les cas, que tu sois invisible ou pas, si tu te remets pas maintenant, j'enlève la Switch et plus de bedwars. C'est fini les bedwars. Oh là là. Plus de Minecraft, plus rien. Ah, malin, je touche le cœur de sensible. Non, mais tu lui as dit, pourquoi tu lui as dit? C'est que tu veux que ce soit un peu ton acolyte, ton bras droit. Quel écoute. Moi, on peut pas me soudoyer avec des cookies, hein. Ça marche pas comme mais ça. Mais t'as dit que c'est... Les cookies, c'est la vie, non? Mais tu lui as dit où? Il y a personne d'autre qui a pu entendre ou quoi? Parce que c'est vraiment... Il faut vraiment ne rien dire. Il faut vraiment que ce soit hyper discret. Parce que si quelqu'un d'autre est au courant, ça peut vraiment nous créer des ennuis. En plus, il y a de l'orage. Non. Et l'orage? Ça fait peur. Oh là 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 là. Il faut vraiment le dire à personne. Parce qu'on a reçu une lettre de menace d'un méchant qui voulait capturer Axel à cause de ses super pouvoirs. C'est pour ça qu'autour de la maison... autour de la maison, on a des barrières. Non, ça va pas. Imagine qu'il te fait capturer. Comment on va faire? Pas que tu t'as capturé, hein. Ça serait n'importe quoi. Oh là là, vraiment, j'ai vraiment peur. J'ai rien fait, c'est pas moi. Bon, si, t'as cassé. Du coup, tu promets... Maxime, il faut que tu promettes que tu diras jamais rien à personne. C'est pas grave si t'as cassé, mais... Non. Promets que tu diras jamais rien à personne. Je dirai rien. Ok, bon. Non, tu penses que je peux lui faire confiance, Maxence? De toute façon, il n'y a plus trop le choix maintenant. Ouais, c'est sûr, il n'y a plus trop le choix. Bon, et je suis déçue, hein, fallait pas lui dire. De toute façon, je m'en doutais que t'allais forcément le dire à un de tes amis. Et vu que vous avez l'air de bien vous entendre et de bien rigoler, bon bah, vous allez pouvoir vous éclater du coup. Oui. Bon bah c'est cool. Bon du coup les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup n'hésitez pas à lâcher encore un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à vous abonner à la chaîne de Axel aussi. Voilà, le lien sera encore dans la description. Il a atteint les 500 abonnés. Il y a des cookies partout. Voilà, il faut qu'il atteigne les 1000 abonnés maintenant. Il est aux 700 abonnés. Il faut qu'il atteigne les 1000 abonnés les amis. Ça serait vraiment trop cool. Qu'est-ce que tu fais Maxence? Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous.